Pour réaliser l'étape qui est assez compliquée entre facebook et euh, ou un autre réseau social vers la liste email ben moi je vous conseille vraiment d'utiliser system.io qui est un outil je mets le lien dans la description dans de la vidéo et donc cet outil euh, il a plusieurs fonctionnalités la première c'est euh, de créer un tunnel de vente on va voir ensemble ce que c'est donc euh, on va voir en détail si vous voulez vendre quelque chose, mais euh, il n'y a pas que si vous voulez vendre quelque chose que euh, ce type d'outil est intéressant. Vous pouvez créer des campagnes d'email. Donc, vous, vous allez pouvoir gérer tout ce qui est email, les contacts, ce genre de choses. Vous allez pouvoir créer des sites Internet. Vous allez pouvoir créer un blog, par exemple. Vous allez pouvoir créer un programme d'affiliation. Donc, si vous vendez quelque chose, vous pouvez rétribuer les personnes qui... Euh, vous, vous apporte des clients. Imaginons, vous donnez 20% de commission, ce genre de choses. Vous allez pouvoir créer des formations en ligne et les héberger dessus. Vous allez pouvoir automatiser votre marketing, comme on voit ici dans l'image. S'il si, y a un déclencheur, il va y avoir toute une chaîne de réaction que vous pouvez établir. Par exemple, un nouvel inscrit à la newsletter, vous pouvez ajouter un tag, vous pouvez lui envoyer une chaîne d'emails bien particulière. Voilà, Vous pouvez si répond ou pas vous, vous allez avoir une réponse différente, voilà pas mal de choses. Et cela euh, vous allez pouvoir le faire gratuitement. Il existe euh, des versions payantes de l'outil, mais il faut déjà avoir, euh, par exemple ici, il faut avoir plus de 2000 contacts à votre newsletter. Donc, euh, donc voilà, sincèrement, vous avez accès pratiquement à tout. Peut-être en une seule fois, donc vous allez trouver ça peu, mais sincèrement, ça peut être tout à fait suffisant. L'important, c'est de faire simple. Et si vraiment vous voulez plus, vous pouvez tout à fait créer deux comptes et comme ça, vous avez plus de possibilités. Et donc, à quoi ressemble l'interface Donc, pour vous inscrire, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description, vous accédez à la plateforme et vous allez arriver sur une interface qui ressemble à ceci. Et donc, là, ici. Vous allez pouvoir, euh, ici on voit un petit peu les différentes options, mais si on regarde le tunnel, je vais créer un tunnel. Donc qu'est-ce qu'un tunnel Ici on va créer une page de capture. Donc par exemple, moi je vais mettre, je vais mettre, euh, allez je vais mettre capture, mais peu importe, je vais cliquer sur créer une audience. Donc je vais créer une page qui aura comme but que lorsque les personnes vont arriver depuis Facebook, ben, elles vont se transformer en euh, inscrire la newsletter. Et comment est-ce que cela marche Donc, Je clique sur Sauvegarder. On voit ici que la, le tunnel capture apparaît. Si je crée un nouveau, ben, je peux en créer plusieurs. Mais si je vais en faire qu'un. Donc, si je clique sur Capture, et je vais pouvoir choisir le modèle. Donc, je peux choisir le modèle. On regarde un peu, c'est un modèle qui... Euh, M'intéresse, regardons par exemple celui-ci. Je peux, euh, je vais faire aperçu du modèle pour le voir un peu mieux et je peux voir un peu à quoi cela ressemble. Donc on peut voir ici, je me dis ah, c'est quand même sympathique. Celui-ci, je le sélectionne et je clique sur sélectionner. Je pourrais en choisir un autre, mais voilà à vous de choisir. Et ensuite, je vais pouvoir le modifier avec les informations que je souhaite. Et ici, je peux supprimer euh, tout ce qui est superflu. Moi, je vous conseille dans le début de faire très, très simple. Donc, si par exemple, vous pouvez supprimer ça, vous pouvez supprimer cette partie-là, pas besoin. Au début, faites le plus simple possible. Vous, bon, moi, je vais supprimer ça aussi. Je supprime ça. Hop. Je supprime ça aussi. Hop vous allez supprimer vraiment la majorité des choses donc ici voilà, moi je vais encore supprimer ça je vais supprimer cette page-ci aussi hop je supprime la fois la question voilà bon, on va supprimer ça aussi et donc ce qui est important c'est qu'à la fin il nous reste pratiquement que ici je vais supprimer ça aussi mais si après je peux la refaire donc, il faudra que lorsque la personne arrive, voire de manière très. Euh, ben, lorsque la personne va arriver sur votre site, elle doit clairement comprendre ce que vous lui demandez. Il faut demander une seule chose. Ou sinon, ça, la personne va se disperser. Il faut vraiment aller droit au but. Vous demandez une chose et vous demandez, par exemple, euh, Avez-vous envie? de télécharger notre notre guide sur le je sais pas moi, le batch cooking, king par exemple et je vais mettre guide gratuit guide gratuit pour cuisiner plus vite. Voilà. Et donc, si vous avez euh, une question bien précise, la personne va pouvoir dire Oui, ça m'intéresse ou pas. Ce qui est important, c'est que cette question soit pertinente avec ce que vous faites. Euh, ça, c'est quand même très, très important. Moi par exemple, euh, j'ai fait une chaîne sur YouTube où je parle de... Je fais, des, je fais des vidéos où je présente le vocabulaire en italien. Et ensuite, je propose que les personnes peuvent télécharger ben, la fiche de vocabulaire de la vidéo gratuitement. Et donc, elles arrivent sur une page similaire à celle-ci où elles vont pouvoir télécharger gratuitement la fiche de vocabulaire, et donc j'apporte un plus aux personnes parce qu'elles ont la vidéo, elles ont même la fiche de vocabulaire téléchargée qu'elles peuvent imprimer et tout ça. Et en plus de cela, ben, les personnes vont inscrire leur adresse mail. Et donc il faut comprendre que pour qu'une personne inscrive son adresse mail, elle doit y gagner. Mais euh, donc voilà, il est important de proposer à la personne quelque chose qui est pertinent. Avec notre activité, imaginons moi si je fais une, un compte Facebook sur le batch cooking et j'explique comment cuisiner vite, ben euh, ce guide peut être pertinent. Et à vous de trouver un peu un cadeau que vous pouvez faire qui peut être pertinent. Euh, D'ailleurs, je peux vous, dans la description, je vous, je vous, vous pouvez télécharger un guide sur. Euh, des cadeaux que vous pouvez faire, des cadeaux potentiels. Donc, ça, c'est un exemple, ce que je vais dire. Vous pouvez inciter les personnes à venir télécharger leur cadeau et ainsi. Donc, le cadeau, ça peut être une formation, ça peut être un, un, un PDF, cela peut être un audio, cela peut être ce que vous voulez. L'important, c'est que pour obtenir le cadeau, la personne, elle doit introduire son adresse mail. Par exemple, si j'écris ici, donc ici, je vais d'abord mettre enregistrer. Je ressors. Si je clique sur voir le tunnel, les personnes arrivent là-dessus et elles peuvent écrire leur adresse mail, par exemple. Je sais pas, moi, euh, je peux écrire mon adresse mail ici et il suffit d'écrire s'inscrire. Donc ça doit être super, super simple, super clair, efficace. Voilà, il faut vraiment quelque chose de très simple, linéaire et pas trop se compliquer la vie. Et comme ça, c'est aussi plus facile à faire. S'il n'y a qu'une seule page, un truc super simple, vous pouvez ajouter un peu plus de choses en bas. Ici, j'ai fait un cas extrême. Mais ce, voilà, vraiment, il faut se dire la personne, elle voit ça, elle est contente, elle n'est pas contente et euh, elle fait un choix. Si elle est contente, elle peut écrire son adresse mail. elle n'est pas contente, euh, bah, elle part et elle ne l'écrit pas. Et donc, à vous de trouver quelque chose de pertinent pour euh, que les personnes s'inscrivent. Si vous ne voulez pas faire de cadeau, vous pouvez demander, euh, souhaitez-vous recevoir euh, les emails de ma newsletter et vous écrivez ici euh, et vous faites quelque chose de similaire à ceci. Donc voilà, l'idéal, c'est vraiment de faire un cadeau parce que comme ça, ben, les personnes... Je reprends ma vidéo euh, sur le vocabulaire en italien. Ben, les personnes, ont envie d'apprendre. Ben, grâce à ça, elles vont apprendre encore mieux. Ben, euh, elles auront plus facile. Ici, si je fais ce compte sur le batch cooking, elles ont envie d'apprendre à euh, cuisiner plus vite. Et si elles, si elles ont un grid gratuit, elles seront contentes. Euh, donc euh, ensuite, vous pouvez leur envoyer des mails sur des conseils pour cuisiner encore plus vite. Et donc comme ça, ben, c'est gagnant-gagnant. C'est vraiment ça l'objectif. Et donc ici, comment est-ce qu'on fait pour personnaliser vous avez ici ben, la page qui apparaît comme ceci. Mais fait important, si vous euh, mettez l'œil, vous pouvez voir l'aperçu plutôt réel, euh, car c'est un peu en plus grand. Quoi. Et si vous, vous mettez ici tout en bas à gauche... Vous pouvez mettre l'aperçu plutôt sur le téléphone car c'est très, très important. Et la majorité des personnes va atterrir sur votre page sur téléphone. Et donc, plus c'est simple bah mieux c'est. Regardez ça comme ça tombe bien sur téléphone. C'est pas mal. Et il suffit de, voilà, un petit peu personnaliser encore un peu plus et c'est parfait. Donc, voilà, fait, c'est mieux que parfait. Et ça, c'est une chose très importante. Donc, ici, vous avez donc bah, le votre page qui ressemble à ceci. Si vous cliquez sur du texte, vous allez pouvoir voir les propriétés qui, qui s'affichent à gauche. Vous pouvez sélectionner euh, une partie du texte, notamment par exemple si vous voulez changer euh, la couleur de cette partie-là. Vous pouvez changer la police d'écriture ici. Vous pouvez changer la taille. Regardez comme ça la taille. La hauteur de la ligne. Donc ça, je vous conseille de ne pas trop changer parce que... Euh, ben, par défaut, ce sera calculé pour que ce soit agréable visuellement. Et ce n'est pas souvent euh, une bonne chose de, de rechanger. Euh, ici, je vais ressortir. Et pour sortir, ben, il suffit de cliquer sur... Donc si je vais faire non. Rester sur la page. Euh, Voulez-vous sauvegarder Allez, Je vais mettre oui. Donc, ah oui, je suis sorti. Donc, ici, je reviens sur la page. Je vais voir la page. Donc ici, vous avez votre texte que j'ai un peu cafouillé. Et à chaque fois, si vous cliquez sur Modifier la page, vous allez pouvoir modifier. Donc ici, pour modifier, vous cliquez sur l'élément et vous modifiez. Vous cliquez sur l'élément et vous allez à chaque fois avoir les propriétés à gauche. Voilà les propriétés à gauche. Si vous cliquez, vous avez aussi ici un petit, euh, un petit, un petit symbole euh, propriété qui est ici. Si vous avez un élément, vous pouvez aussi le dupliquer. Donc ça, c'est aussi une chose que l'on peut faire. Donc à chaque fois, regardez bien à gauche les, euh, les éléments. Et si vous voulez ajouter, imaginons par exemple une rangée, vous pouvez la prendre ici et l'ajouter. Regardez là, je la prends la rangée. Hop oh, Il y a une rangée qui se trouve ici. Je vais ajouter des colonnes. Je peux les ajouter ici. Donc, vous allez pouvoir construire. Ici, vous voulez mettre un bouton, ben vous pouvez le prendre et je vais le mettre peut-être là-dedans. Hop, j'ai mis un bouton. Je vais me mettre un bouton de partage Twitter, je vais me mettre là-dedans, je vais me mettre un commentaire Facebook. Hop, là-dedans. Je peux mettre un menu, euh, je sais pas moi, je mets là-dedans. Donc voilà, il y a vraiment moyen de faire beaucoup de choses et ça vaut un peu de personnaliser au mieux. Euh, mais je vous conseille vraiment de faire des choses très très simples. Euh, pas besoin de se compliquer la vie avec des choses compliquées. Euh, voilà, si vous voulez supprimer, vous prenez, euh, vous allez un peu dans le coin, hop, vous supprimez, ok, je supprime, et donc voilà. Donc il y a beaucoup d'options ici à gauche, vous pouvez même rajouter du code HTML si euh, c'est quelque chose que vous souhaitez. Vous pouvez ajouter un hein, des comptes si ça vous intéresse. Voilà, ici vous voyez un petit peu tout ce qu'il est possible de faire, vous voulez rajouter une vidéo. Euh, voilà, vous pouvez la rajouter. Voilà, vous pouvez vraiment faire beaucoup de choses en audio. Euh, voilà, à vous de personnaliser comme bon vous semble. Donc, ici, je vais ressortir parce que j'ai vraiment euh, tout cafouillé. Je un peu n'importe quoi. Euh, donc, pour voir tous vos tunnels, vous allez sur tunnel et vous voyez vos tunnels. Ici, je vais le supprimer parce que j'ai vraiment fait. Euh, je vais mettre confirmé. Et donc, pour en créer un autre, vous cliquez sur créer. Créer, donc vous devez mettre un nom. Vous mettez créer une audience sauvegarder si vous voulez vendre c'est un peu autre chose mais ça ressemble quand même donc ici on va à nouveau modifier on choisit un modèle allez ici je vais choisir celui-ci cette fois ci je sélectionne je peux changer fait important il faut changer ici l'url donc je vais mettre par exemple euh, cadeau donc l'URL, donc ceci, ça va s'afficher ici, donc il faut qu'il soit présentable. Ensuite je clique sur modifier la page. Et donc là ben, je vais pouvoir à nouveau modifier avec les informations que je souhaite. On peut vraiment l'adapter comme bon nous semble. Et vous pouvez voilà, comme je vous disais, ici modifier. Dans la zone paramètres, vous allez pouvoir modifier des paramètres par défaut. Donc par exemple... Euh, la police d'écriture, ce genre de choses. Donc ici, regardez vraiment bien cette zone-là. Vous pouvez mettre l'image de fond. Euh, voilà, ici vous avez toutes les informations. Par exemple, le titre de la page. On n'a pas envie d'avoir un titre pareil. Donc, par exemple, vous mettez euh, cadeau. Comme ça, vous allez avoir un titre quand même bien plus pertinent. La description, les mots clés l'auteur, l'image pour les réseaux sociaux. Voilà, vous pouvez rajouter pas mal d'informations euh, ici dans Paramètres. Si vous voulez rajouter euh, une pop-up, donc un élément qui ressort comme ça, vous pouvez également le faire. Donc ça, c'est une chose qui est possible. Et donc à chaque fois, il faut, euh, lorsque vous terminez, vous enregistrez, comme ça vous êtes sûr de ne pas perdre les infos. Et une fois que le travail est fait, ben, il est fait. Et donc les personnes, lorsqu'elles vont arriver... Donc lorsque vous partagez ben, le lien, elles vont arriver dessus. Si je regarde, vous pouvez voir que maintenant il fait écrit cadeau plus titre. Et les personnes vont avoir ce que vous avez décidé de leur montrer. Et si elles sont contentes de recevoir votre cadeau, ben, elles vont écrire leur adresse mail. Et donc dès qu'une personne écrira son adresse mail, elle va se retrouver dans la zone contact. Car dans la zone contact, vous allez avoir ben, tous vos contacts que vous allez pouvoir trier par filtre. Et vous allez surtout pouvoir ajouter des tags, donc des sortes de. Euh, donc par exemple, je peux créer un tag, c'est Personne-ci est un client. Et donc tous vos contacts qui auront le tag client, ce seront des. Euh, ben, c'est une sorte d'indicateur que. Ce contact-là, c'est un client, alors qu'un autre contact ne sera pas un client, par exemple. Donc ça, euh... et donc dans vos contacts, si vous voulez importer des contacts, vous pouvez importer des contacts depuis votre ordinateur. Donc ça, c'est tout à fait possible. Vous pouvez aussi ajouter des contacts manuellement, si vous, euh... vous voulez les rajouter manuellement, c'est aussi possible. Donc vous allez pouvoir ainsi gérer les contacts. Pour capturer les contacts, vous allez pouvoir créer ici une page de capture. Et ensuite, fait important, quand vous créez une page de capture, ben, il faut soigner aussi la page de remerciement. Donc c'est la page, par exemple un peu euh, celle-ci, que lorsque la personne ben, décide de télécharger son... Euh, ben, de donner son adresse mail, ben, il faudra prévoir d'envoyer le PDF à la personne, mais il faudra aussi prévoir que lorsque la personne... A écrit son adresse mail, ben, qu'elle reçoive un message de remerciement directement. Et donc, la première étape ici du tunnel, c'est la page de capture, mais la deuxième, c'est la page de remerciement. Vous pouvez rajouter des étapes, mais dans un premier temps, c'est déjà très bien. Donc maintenant, regardons comment, ben, si une personne décide de euh, ici d'écrire son adresse mail, vous pouvez cliquer sur règle d'automate. D'automatisation, cliquez sur ajouter une règle, vous mettez inscription sur la page, donc lorsqu'une personne s'inscrit, vous ajoutez une règle et ah non, vous ajoutez plutôt ici, donc ici, dès que la personne s'inscrit sur la page, ça va rentrer dans les règles d'automatisation. Et ensuite, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire Vous allez pouvoir aller sur les emails et donc là, vous allez pouvoir gérer. Tout ce qui est newsletter, tout ce qui est campagne, donc une campagne, c'est un ensemble de mails que vous allez pouvoir envoyer. Je vais enlever celle-ci, que je n'en ai plus besoin. Je vais pouvoir créer une campagne, par exemple, qui s'appelle Nouveau S'inscrit. Je clique sur sauvegarder. Et donc, lorsqu'une personne va s'inscrire, elle va pouvoir recevoir un premier mail, votre cadeau, par exemple. Donc, et je clique sur « Nom de l'expéditeur ». Je vais mettre euh, « Paolo ». Je vais Sauvegarder ». Et donc, la personne va pouvoir recevoir un mail que vous allez pouvoir rédiger avec soit en pièce jointe le cadeau, soit un lien avec le cadeau à vous de vous arranger. Et vous allez pouvoir cliquer sur « Enregistrer publier ». Donc, il faut que... Bon, je vais mettre « activé Je ressors. Et donc, vous pouvez mettre un premier mail, mais vous pouvez aussi ajouter... Toute une chaîne d'emails, par exemple, le second, euh, Hello, j'invente. Je, Je clique sur Nom de l'expéditeur, ben, Je vais mettre sauvegarder. Donc, le nom de l'expéditeur, ne le bâclez pas comme moi. Hein. Euh, donc ici, ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir, lorsque vous mettez votre contenu, vous allez pouvoir mettre Enregistrer publié. Mais vous allez mettre, par exemple, cet email s'enverra sept jours après le premier et vous mettez par exemple après votre cadeau donc la personne va recevoir votre cadeau mais ensuite elle va recevoir un second mail je ressors et vous allez pouvoir inscrire tout un vous allez pouvoir créer toute une campagne d'email automatique donc dès qu'une personne sur facebook va sur votre page de capture elle va pouvoir aller sur ben, elle va recevoir son guide le premier jour il faut absolument lui lui ben, répondre à la promesse sinon ben vous vous êtes en quelque sorte menteur. Quoi. Donc, vous lui envoyez son guide par mail. Et ensuite, vous allez pouvoir lui envoyer des mails. Et vous programmez tout ça d'un coup. Et comme ça, ben, vous n'avez pas besoin de le refaire à chaque fois. Ça va se faire de manière automatique. Mais ce qui est important, c'est d'aller dans la zone automation. Et vous allez dans Workflow. Et donc, là, dans Workflow, qu'est-ce qu'on va faire Moi, je vais mettre créer. Je vais ajouter euh, le Workflow Nouveaux Inscrits. Script. Je vais sauvegarder. Et donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Je clique dessus pour montrer que je vais modifier. Et je vais créer un premier déclencheur. Donc le déclencheur, c'est une personne qui s'inscrit au formulaire du tunnel. Et je vais mettre le tunnel. C'est la page de capture que j'ai créée précédemment. Je clique sur créer. Ensuite, lorsqu'une personne a cliqué sur ceci, il faut qu'il y ait une ici une action. Et comme action, je pourrais par exemple ajouter un tag. Un tag, par exemple. Un tag euh, ici. Il faut d'abord créer le tag pour pouvoir le sélectionner. Mais ici, l'idéal, c'est mettre un tag style euh, nouvelle à inscrire à la newsletter ou quelque chose comme ça. Ici, pour l'exemple, je vais cliquer sur Client. Je clique sur Créer. Puis vous pouvez mettre Action. Et vous mettez Inscrire à une campagne. Et vous mettez là la, la campagne, nous vous inscrit car le but c'est que la personne qui vient de s'inscrire sur le formulaire ben, reçoive directement euh, son email que vous avez décidé, et ensuite on pourrait rajouter d'autres actions, d'autres décisions, et vous pouvez faire tout cela gratuitement et ça va s'automatiser. Vous allez vraiment pouvoir automatiser toute cette partie là et euh, il y a un petit peu de travail de mise en place, mais ça reste quand même raisonnable. Et après, quand c'est lancé, bah, hop, dès que vous avez du monde qui arrive sur votre page qu'on appelle page de capture pour capturer les emails, dès que vous avez un email, vous pouvez envoyer tout ce genre... Mais euh, il y a toute, toute cette machine qui peut se mettre en place, cette machine un peu automatique. Et donc ensuite, si vous avez toute une liste d'emails, vous pouvez aussi envoyer des emails. Euh, voilà, imaginons vous avez une nouvelle intéressante. Vous, vous allez sur newsletter et non sur campagne. Vous cliquez sur créer et vous envoyez un email que vous pouvez choisir soit un éditeur classique, donc là c'est euh, comme si vous envoyez un email simple sur Gmail, ou un éditeur visuel pour avoir quelque chose d'un peu plus beau. Et vous pouvez envoyer bam un email direct à aux personnes que vous souhaitez. Autre chose que l'on peut faire, c'est créer un blog. Donc pour créer un blog, il faut absolument mettre un nom. Ensuite, il faut mettre ici un chemin pour l'URL. Et vous pouvez choisir un template, donc un modèle de blog que vous voulez créer. Et donc sur ce blog, il peut être intéressant de mettre des boutons que si vous cliquez, vous arrivez sur vos euh, tunnels pour capturer des emails. Donc ça, c'est aussi tout à fait possible. Euh, les automations, ça en a vu, donc les règles, les workflows, ça en a vu. Euh, les produits, vous pouvez vendre des produits physiques grâce à système et donc euh, ça c'est une chose possible. Vous pouvez surtout, pour moi, je trouve intéressant, vous pouvez créer des codes promo. Ça, c'est peut-être pas le plus important, mais c'est possible de le faire. Vous pouvez créer des formations. Donc par exemple, vous créez une formation et euh, et voilà, vous pouvez créer toute la formation avec système. Poyer. On verra peut-être ça sur une autre vidéo. Euh, mais voilà, vous pouvez créer un, un tunnel de vente complet. Donc, le tunnel de vente complet, c'est généralement. Euh, si vous avez des inscrits sur votre newsletter, vous pouvez leur envoyer des emails pour leur vendre quelque chose. Ce qui va les amener sur des tunnels de vente qui sont faits exprès pour vendre. Car on ne va pas tout faire en même temps. Une personne, bah, l'idéal, c'est qu'on lui pose une seule question et qu'elle euh, y réponde oui ou non. Euh, mais pas la bombarder dix choses en même temps, un peu comme sur un site Internet et, et la, la personne, à la fin, elle ne fera, fera rien, elle va partir sur autre chose. Ici, on va faire des tunnels exprès pour que les personnes s'inscrivent à un Newsletter. Et ensuite, si vous voulez vendre et que c'est votre euh, objectif, on va pouvoir créer des tunnels. Bah, vraiment, créer exprès pour vendre. On peut faire un webinaire automatique, un tunnel personnalisé. Bon, ici, on va faire un tunnel pour vendre. Je vais mettre « Vendre » pour le nom. Je mets « Sauvegarder ». Et donc ici, gratuitement, on peut faire jusqu'à trois tunnels, il me semble. Je clique sur « Vendre ». Je vais pouvoir choisir ben, des templates adaptés pour la vente. Imaginons, je vais sélectionner celui-ci un peu à hasard. Je vais pouvoir le voir. Et donc ici c'est un tunnel de vente un peu différent car voilà l'objectif sera vraiment de vendre et il y aura les modalités de paiement et ce genre de choses. Et donc sur un tunnel de vente, vous allez avoir aussi une page de remerciement qu'il faudra aussi adapter, bien évidemment. Euh, et vous allez pouvoir suivre euh, les statistiques ici dans la zone statistique. Vous allez pouvoir voir euh, l'argent, les ventes et tout ça. Vous allez pouvoir faire des tests A à B. Donc, vous faites deux versions de la page et vous regardez laquelle des deux pages marche le mieux. Et voilà, il y a le total des ventes qui se trouve ici. Vous pouvez mettre des deadlines. Par exemple, vous mettez une page qui est disponible seulement pendant un jour. Si la personne ne, ne respecte pas, ben hop, ça se ferme. Et ce genre de choses. Et donc, voilà, cet outil est vraiment polyvalent par rapport au fait que vous pouvez gérer tous vos contacts vous pouvez créer des, des, des pages de capture. Vous pouvez automatiser avec plein de règles particulières. Et donc voilà, moi je vous conseille vraiment cet outil. Vous pouvez l'essayer euh, gratuitement, l'utiliser en allant sur le lien dans la description. Et ensuite, ici, dans la zone paramètres, il y a pas mal de paramètres personnels. Si vous voulez un peu regarder, euh, n'hésitez pas. Ici, comme ça, vous avez quand même une, euh, une idée bien complète de toutes ces choses-là.